s'était-il passé la dernière fois? Vous avez accompli une de vos tâches qui était de vider, du moins vous l'espérez, les tonneaux de vin du château du prince durant la nuit. Vous avez assommé les deux gardes de manière discrète et sans bavure. Vous avez même d'ailleurs un peu maquillé la scène pour faire genre que c'est elles qui ont bu tout le vin, ce genre de choses. Et vous avez aussi enquêté sur sur le manoir d'un certain parfumeur. Quand vous êtes entré, il y avait l'inquisitrice qui vous a dit bah, « il est pas là, il a laissé une lettre, c'est bizarre ». Vous avez vu la lettre, vous avez dit bon, « ça a l'air d'aller », puis elle vous a dit « non, non, c'est bizarre ». Vous avez enquêté. Et effectivement, quelque chose d'étrange, du sang sur la balustrade à l'extérieur qui mène à un précipice en bas. Une fiole dans ses échantillons pour créer un parfum. Une fiole qui, si on la sent, nous met dans une dépression intense qui, même, j'ai envie de dire, a envie de nous suicider. Qui nous a des envies de suicide, voilà. Et donc, vous avez continué d'enquêter. Vous avez trouvé une broche avec un alcyon. Comment on appelle ça? Attaché. Et votre capitaine, Ibolia, vous a dit oui, c'est le symbole de la Puerta. Donc, vous avez un peu enquêté. Vous avez appris que. C'est un manoir où il y a, j'ai envie de dire, tous les plaisirs, quelque part. Et que ce soir, il y avait une fête. Il y avait, comme souvent, finalement, il y avait une fête. Et après votre mission qui s'est bien déroulée, et après avoir pris un bon bain dans la mer plein de sel, de façon à ne pas sentir la vinasse, vous avez dit que c'était le moment de partir dans cette, dans cette fête. Pour y apprendre des choses sur votre enquête. Tout de suite. Voilà, je mets la musique d'ambiance. Oh yeah. Alors. Alors que... Après, vous êtes quand même changé pour ceux qui avaient des vêtements mouillés. Vous êtes parti... Sans Ibolia, parce que elle se sentait un peu fatiguée, elle se sentait pas de faire une nuit blanche. Attendez, je vérifie juste que la musique n'est pas trop fort. Et je remets. Bonjour YouTube, on vous a oublié au début, mais vous l'aurez quand même, vous inquiétez pas. Donc, nos aventuriers se dirigent vers le manoir de la Puerta. Alors, attendez. Faut juste que je zoome parce que j'ai des yeux qui me permettent pas de bien lire. Donc, vous arrivez au manoir de la Puerta. Il est entouré de quatre rues et forme un mini quartier à lui tout seul. De magnifiques cariatides sculptées soutiennent un dôme d'azur sur cette villa à un étage. D'ici, vous entendez des rires et des chants, ainsi que d'autres cris qui n'ont rien de douloureux. La question est, que faites-vous? Voilà une bonne question. Très très bonne question. Il y avait un mot de passe, non, pour y rentrer? C'est isolé ou absolument pas? Ah ouais, c'est isolé, oui. Ah, la musique s'est coupée chez moi. Ouais, allez, on va tenter, écoute, je mets la bague et j'avance. Ok. Je leur dis de me suivre, on va tenter, on va tenter le gros bluff. Tu frappes à la porte? Oui. Ok, tu frappes à la porte et tu as un grand homme sec avec un anneau en téton. Auquel est accrochée une cape qui vient vous ouvrir. Il est totalement nu, avec un masque d'hermine.
Et il dit bonjour. Que puis-je pour vous? Nous sommes venus faire la fête. Je montre la main avec avec l'anneau. Ouais, et de la broche. Oui. Ok. Donc il regarde, il fait ah bah, parfait, entrez. Donc il vous fait entrer dans un espèce de petit un petit hall, le vestibule. Et quand tu rentres, il te sursure pour vous ce soir, je serai Alfredo, le maître des lieux. Et il vous dit vous entrez au manoir de la Puerta. À l'intérieur et sans surprise. Ah non, pardon. Si, vous le dites. Donc je recommence. L'intérieur est sans surprise, luxueux. Des tapis de la soie la plus précieuse. Ça, c'est bizarre qu'il vous dise ça. Ouais, non, pardon. Non, c'est la description. C'est la description en fait... des lieux. Mais c'est ouais, pas mais en fait, c'est parce qu'il y a une bulle de dialogue juste à côté. C'est pour ça que ça m'a perturbé. Désolé. Donc en fait, vous entrez du coup dans le manoir de la Puerta. Donc, c'est luxueux. Des tapis de soie la plus précieuse sur les murs, des tables d'ivoire et d'or, des fruits et des boissons venant de Kniga et d'Akaba. Dans un coin, les artistes du corps percent ceux qui le veulent, d'anneaux ou gravent des tatouages sur la peau. Dans un autre, des nobles se font fouetter avec violence, tandis que d'autres parient sur le moment où ils s'évanouiront. Enfin et surtout, de nombreux débats sexuels ont lieu un peu partout, avec une animalité morbide où tous les âges et les races se confondent, en particulier sur la table centrale où se trouve une pyramide humide semblable aux peintures maniéristes silencieuses des murs. Alors, vous êtes troublé, mon cher MJ. Avant, c'est parce qu'il fallait que je boive et que j'ai pas bu avant. Bien sûr, et vous êtes entré, il dit... je vais vous demander de laisser vos affaires dans le vestiaire. Vous aurez, vous inquiétez pas, une clé qui vous sera propre. Vous avez le droit à un seul vêtement chacun. Et bien sûr, si vous n'avez pas de masque, on pourra vous en fournir, il n'y a pas de problème. Effectivement, quand vous regardez, tout le monde est masqué. Et certaines personnes n'ont pas de vêtements, d'autres ont gardé par exemple une cape ou une toge. Bon bah direction le vestiaire déjà. Oh, faut le temps de réfléchir. Ouais. Donc bah vous arrivez au vestiaire sans problème. Et merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah si on veut des infos, faut swapper, hein, y a pas de choix. Je regarde un blaston. Donc. Ouais. Oh, je vous dirai après. Ouais, laisse-nous déjà choisir. Je laisse déjà choisir. Parce ça. Que je pense dirai que après, tu vas spoiler et ça va pas aller dans ton. On va pas aller dans ton sens. Ah, c'est juste vous dire ce que vous pouvez faire en fait. Ah. Mais je vous le dirai après. Bah là, moi, ce que je sais, c'est que. Je vais rester juste avec mon. Mon cache entre jambes. Ouais. Je sais pas si je porte quelque chose sous le pantalon. Je garde juste ça. Et je regarde mon sac et là je vois que bah, j'ai malheureusement dans mon inventaire, je vois pas que j'ai un masque. Non mais ça c'est pas grave encore une fois. Voilà, il ouais, est prêt. Je sais, tu peux prendre un loup. Sais, mais voilà, c'est ce que. Merde, <fait chier. rire> Monsieur le MJ, vous lisez dans mon esprit. Oh, je connais bien. Pas pourquoi. Ah oui, je me le disais bien. Bon voilà, je laisse mes très chers compagnons prendre la parole. Je réfléchis à comment le personnage serait habillé de base de toute façon. Je pense que je vais juste garder en fait, ça fait déjà pas mal, mais je vais garder juste un pantalon en fait. Un pantalon souple comme on dit. Le plus compliqué c'est pour moi, qu'est-ce que je peux garder? Je suis dans la merde. Une grande cape. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que t'as ça dans ton inventaire? J'allais dire, est-ce que t'as ça dans ton inventaire? Ah bah de toute façon, j'ai la cape de... Où est-ce que tu utiliserais tes talents de voleuse pour essayer d'en trouver une dans les casiers adjacents?
Non mais j'en ai une, je me balade toujours avec une cape, avec ma capuche et tout, donc la cape mais en mode bien fermée, tu sais, bien refermée sur moi. Ouais. Personne ne verra rien. Public. Ouais. Il nous reste Galonas. Non, je suis en train de réfléchir justement aussi. Ah bien sûr. Parce qu'après... Oh, je mets la capuche sur la tête, hein. En mode au secours. Vu qu'ils nous donnent le masque... Je jette un œil à ce qu'ils ont au masque à prêter. Ouais. Parce que je vais garder mes gants. Ok. Bah écoute, en masque, ils ont, tu sais, des loups traditionnels que tu peux imaginer dans un dîner... De bourgeois, de riches. Ils ont... Après, on peut, si tu veux, un truc un peu exotique, ils peuvent l'avoir. Un masque de lapin. Ouais. Je prends un masque de hibou. Moi, je prends un masque de loup, l'animal. Donc, je prends un loup de loup. Moi, je sais, c'est, ça fait un jeu de mots, mais je sais si vous voulez. Jen, tu veux un lapin blanc? Non, je vais prendre... Ah, y a déjà le loup qui est pris, hein. Ouais, c'est brave, hein. Bah, loup, mais le traditionnel en dentelle. Okay. C'est trop beau, en vrai. En vrai, c'est trop beau, les masques comme ça. Ou les masques vénitiens, c'est très beau aussi. Ouais, ce sera quelque chose de plus exotique. Peut-être une créature que j'aurais pu voir à Akaba et de l'époque où j'étais là-bas et qu'on ne retrouverait pas forcément plus par ici. Ouais, ok. C'est quelque chose qui vit près du désert. Un iguane. Un varan. Un varan. Voilà, c'est ça que je cherchais, un varan. Ah, pas de soucis. C'est plutôt info, mais bon. Alors attendez, parce que... Désolé, je galère un peu sur une musique intéressante, mais c'est pas grave. Donc, une fois que vous êtes changé et que vous ressortez... Alors bien sûr, la question fatidique, qui a la clé? Parce que j'imagine qu'en fait, vous mettez tout dans un seul casier et quelqu'un, l'un d'entre vous, a la clé. Bah, si les casiers sont assez grands, oui. Oui, bien sûr. Bonne question. Qui garde la clé? Notre spécialiste du subterfuge. Que j'allais dire, ouais. Dans un gant, je suis sûr qu'il peut déjà planquer tout à tous. Oui, j'allais dire... Mais j'allais dire une bourse, mais bon... Je peux mettre ça dans le gant. Je gardais mes gants pour cacher ma marque maudite sur ma main. Ah. Et je peux mettre une clé avec. Bien sûr, pas de problème. C'est bien ce qui me semblait que... Alors, je vais quand t'as dit les gants, c'est à ça que j'ai pensé. Alors du coup, pour vous rappeler... Donc une fois que vous sortez du... La musique est très forte pour moi. Du vestiaire, vous avez donc un espèce de coin tatouage piercing. Un coin où on fouette des gens contre de l'argent. Un coin avec des boissons et de la nourriture. Doucement. Coin fouettage... Ouais. Un coin avec. Un coin avec. Coin bar, donc t'as dit boisson. Ouais, voilà. Boisson et nourriture. Okay. Et puis vous avez la pyramide du Med aussi. Truc chelou. Ouais. Excusez-moi, je viens d'apprendre que le félin de la maison n'a trouvé rien de drôle que ramener une tourterelle. Ah merde! Vu qu'on est dans Aria, bien entendu, cet animal est plutôt destiné au coin bar-boisson. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, j'en dirai pas plus, je ne veux pas choquer les âmes sensibles à 20h46. On serait 22h, oui. Ça serait autre chose. Voilà. Alors du coup, la question, que faites-vous? Vous pouvez vous séparer. Donc tu t'as dit là... Et bien sûr aussi, vous êtes là pour enquêter, je rappelle. Sur bah déjà, la mort on se dit à quelle heure on se retrouve. Comment veux-tu qu'on sache? On n'a pas de montre. Mais oui. Un temps qui passe, quoi. C'est juste pour dire qu'on se rejoint tous au même endroit à un instant donné. Moi, de toute façon, je pense que je vais aller vers la pyramide humaine. Moi, je vais aller faire un tour du côté du fouettage parce que je vais voir comment je vais voir leur méthode de fouettage. je comprends pas pourquoi tu rigoles. Je sais pas. Que faites-vous Je vais aller vers le coin tatouage.
Ah, je voulais le dire aussi. Mais tu peux y aller aussi, hein. Y aller tous les deux. Je pensais au coin tatouage aussi. Sinon, je vais passer encore une fois pour une morphale aller au buffet. J'avais pas mis la bonne scène. C'est pas ce que tu es, une morphale. Disons que je m'attendais à ce que ton personnage ne soit pas trop prêt à ça, mais si tu veux y aller, pas de problème. Pas piercing, un tatouage. Tatouage. Vous pouvez y aller sans forcément le faire. Bon, écoutez, on va tous rester là pour des questions de plus simples et vous n'aurez pas à répéter après. Je vais commencer par le tatouage. Donc, vous arrivez dans ce petit coin où des gens sont en train de se faire percer et tatouer. Vous voyez... Vous voyez une femme qui a les cheveux longs, les yeux ardents, et un crâne tatoué depuis l'épaule jusqu'à l'oreille. Elle s'appelle Paula, et c'est la tatoueuse. Elle a dit... Je peux vous proposer un tatouage éphémère. Il disparaîtra lorsqu'il sera exposé au soleil. C'est un peu la mode en ce moment. Sinon, vous pouvez aussi, je peux aussi vous faire des piercings. Ou si vous voulez, j'ai des bagues pour une couronne la pièce. Couronne la bague ? Oui. Et le piercing. Et le tatouage. D'accord, tout est à une couronne. Ouais, c'est ça. Je suppose qu'elle a les trucs un peu posés, les modèles différents qu'elle a, je pense. Ouais. Je suis genre en train de flatter, mais dans ma tête, je suis là, oh mon dieu, qu'est-ce que je fous ici. Avant que tu regardes, dis, là, en ce moment, la mode, c'est de se faire... Faussement flétrir. En ce moment, c'est de se faire un alcyon barré. Qui est un peu... Je sais pas, c'est les mœurs des gens d'ici, c'est un peu... Un alcyon, oui. C'est un oiseau. Oui, oui, non, mais c'est parce qu'il me semble qu'on a... Oui, bah oui, c'est... Bon. Voilà. Oui. Bah du coup, toi, tu n'es pas là. Je sais que je suis pas là. Rien ne m'empêche de réfléchir. Oui, mais dans ta tête. Voilà, désolé, mais tu es dans ma tête. Mais là, c'est Philidor et Philidor et Elisabeth qui sont devant la tatoueuse. La tatoueuse. Oups, lapsus. Attention, c'est un lapsus. Est-ce qu'il est révélateur ou pas? Seulement l'histoire nous le dira. Oupsi. Je vais partir sur un tatouage. Ouais. Ah, moi, je veux regarder parce que je suis curieuse de savoir comment ils font les tatouages à ce moment-là. Oh, je vais même partir du principe que j'en avais peut-être un petit de ma période marine. C'est cohérent. Ouais. C'est crédible. Je vais te trouver un petit truc que je vais te mettre dans le chat éventuellement. Yes. Tu veux permanent ou tu veux éphémère? C'est le même prix. Oh purée, l'arnaque! Permanent, vas-y. Ah ouais, à ce prix-là, autant que ça soit permanent. À une couronne! Ah, tu sais, il n'y a que des riches ici, donc. Ouais, mais bon. Oh, ah, c'est sûr. Négocier! Oh, t'inquiète pas, que ça va bien pour elle, donc. Pas de problème. Et du coup, la mode, c'est le alcyon. Alcyon barré. Ouais. Ah, purée, pantoufle. On vous a. Personne vous a dit pourquoi spécialement ça, enfin... Oh, je crois que c'est l'armoirie de la Puerta. C'est un peu... apparemment, c'est une icône coquine ici, un peu. Ouais. Ça fait longtemps que vous tatouez ici? Oh oui, ça fait déjà quelques années maintenant. Et du coup, le temps... Hein? Est-ce qu'elle a l'air fiable comme tatoueuse? Ah, j'ai pas vu le... Ah, c'est joli. Je le mettrai sur YouTube. Oui, ça a l'air... Ah oui, ça c'est chouette, ça. Oui, elle a l'air fiable, puisqu'effectivement... Tu sais, t'as déjà vu quelqu'un en allant là-bas, vous avez vu qu'elle était en train de tatouer quelqu'un, effectivement, c'était pas... C'est pas la rose qui ressemble à une salade, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime bien donner cet exemple. C'est ça. Non, c'est... C'est plutôt... c'est correct. C'est même une bonne tatoueuse. Je confirme le permanent, parce qu'effectivement, c'est un bon point. Ouais. Je l'aurais peut-être pas fait. Ok. Elle va commencer à tatouer. Et donc, pendant ce temps, on va aller voir Ferk.
Ouais. Donc toi, tu te rapproches du coin où les gens se font fouetter. Tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies pour assister à des séquences de fouettage. Certains... Des séances de fouettage, pas des séquences. On s'écrit des séquences dans le livre. Oui, mais non. Passons. Voilà. Tu vois que certaines personnes sont simplement spectatrices, tandis que d'autres parient sur le temps que mettront les victimes à résister avant de demander grâce. Et effectivement, tu vois qu'en fait, il y a un bourreau, enfin un bourreau, entre guillemets, et un... on s'entend bien, qu'il y a une personne qui tient le fouet, et c'est toujours la même personne qui fouette, que tu as vu entre le temps, tu sais, pour arriver. T'as vu deux personnes essayer de passer et qui n'ont pas tenu très longtemps. Et du coup, tu te rapproches, puis il y a quelqu'un qui te voit, il fait « Ah, un grand caillard comme vous, ça vous tenterait ?» On vous propose de gagner une pièce par coup de fouet que vous subissez. Une pièce que je subis ? Ouais. Et c'est quoi les... C'est tu quoi gagnes? Les... la cote en ce moment ? Ah, c'est paris? Une couronne. Tu gagnes une couronne par coup de fouet que tu subis. D'accord. Non, t'as pas compris. Non, j'ai pas compris. Tu dis qu'il y en a qui parient. Donc moi, je demande la cote du pari. Des paris. Ah ! Bah, ça dépend de... Là, pour l'instant... À l'heure actuelle, c'est quoi le meilleur record de la soirée ? Bah, c'est plus... C'est plus des gens, ils voient quelqu'un, ils disent « Ah, vas-y, moi, je parie 2, qui tient 7 coups. » L'autre, il dit « Bah, moi, j'en parie... Je parie 2. » Enfin, voilà. Ça dépend, c'est toi qui lances, et puis... Les gens, ils peuvent parier moins, quoi. C'est hop, mais bon. Alors, attends. Je vais voir un truc avant. Ouais. Ah ouais. J'avais zappé ça, merde. Oui, t'es peut-être un peu blessé. C'est ça. J'ai oublié de dire que je voulais que me soigner avant d'aller de venir. J'ai 13 points de vie. Alors, si tu veux savoir, ça sera un G sous endurance x5 pour savoir si tu. Ouais, bah, je encaisses. Je regardais. Oh, c'est pas mal. Tu sais quoi, je vais tenter. Oui, pourquoi pas, allez. Ok. Vous donc... avez dit une pièce par coup, par coup de fouet. Oui. Une couronne par coup de fouet. D'accord. Une couronne. Ah bah. Ah oui. Ok, donc c'est un jet d'endurance. C'est moi qui dis le nombre de coups de fouet. Là, ou... en fait, tu vas prendre un coup et tu me diras si tu. Alors, je te dis si tu encaisses ou pas déjà. Et si tu encaisses, bah, tu pourras choisir de continuer. Si tu encaisses pas, ça met fin. Forcément. Et tout coup donné est une pièce en plus. Oui. Engagé, payé, je veux dire. Oui. Il n'y a pas de perte, c'est pas comme, dans des jeux ou du kitou double, on est d'accord. Ah non. La seule chose que tu vas perdre, c'est des points de vie. C'est pas grave, après j'ai mes amis qui seront là et. Ouais. Allez. Ok, bah là, quoi, il y a une croix de Saint-André, il y a vas-y, une chaise, non, y a rien, je reste debout. T'as dit un. Oui, il peut avoir un bino. Il peut en avoir... fait, le truc, c'est que tu te mets dos au fouetteur. Ouais, ça oui, ça me semble. Il y a ce que tu veux pour te maintenir en position qui te sied le plus. On va dire qu'il y a un mur et que il y a des poignées contre le mur pour permettre aux gens de pouvoir éventuellement s'appuyer dessus. Ça te convient ? Voilà, parfait. On peut dire qu'il y avait plusieurs trucs, tu as choisi ça. Ok. Je suppose que je fais déjà un jet d'endurance pour le premier coup. Ah oui. Alors attends que je me trompe pas. Allez, c'est parti. Oh bah tu résistes, tu bronches même pas. Il y a. Tu perds quand même un point de vie. Ah merde. Ouais, oui. Parce qu'en fait, c'est quand même un sacré coup de fouet. Allez, je continue.
Donc c'est x5, ah. Donc ça passe. Donc là, celui-là, tu le sens passer. Et deux couronnes, deux. Désolé. Allez. Donc, t'as combien de points de vie déjà? Tu peux me rappeler? Là, il m'en reste 11. Ok. J'ai commencé à 13. Ah oui. Allez. Non, mais c'est important. Encore voilà. Un. Après, on va voir. Oh putain. Là, j'ai plus que senti passer celui-là. Ah, celui-là, ouais. Le troisième était de trop pour toi. Ça... Ah ouais? Le fait que t'étais déjà blessé. Ouais, c'est, ouais, ça. C'est ça. T'es un peu affaibli. Mais je voulais tout de même faire. Alors, au troisième, tu. Alors, tu pleures pas non plus, hein. Tu dis juste stop, ouais, j'arrête. Je enfin, oui, voilà. Voilà, tu restes quand même digne. Hein. Ouais, non. Et là, je me retourne vers le fouetteur et je lui demande si je peux regarder son fouet. Oui, bien sûr. Alors, déjà, d'abord, tu vas gagner ces trois pièces, n'est-ce pas? Mmh. Et aussi, tu as gagné un super bonus corporel qui est des lacérations à vie dans le dos. Oui, bah ça, je m'en doutais un petit peu. Des cicatrices, bien sûr. Oui, donc il va te montrer son fouet. Alors que c'est un très bon fouet torsadé. Hein. Ouais. D'ailleurs, avant de te le donner, il essuie le sang qu'il y a dessus. Normal. Quand même, parce qu'on reste professionnel. Voilà, tout à fait. Et. C'est de la sécurité pour empêcher exactement. Qu'il dise, sachant qu'il va le nettoyer avec un alcool que je ne sais pas, mais qui sent assez fort. Hein. Il a de quoi faire. Et, voilà, et puis je lui demande, mais vous brûlez pas l'alcool dessus pour être bien sûr que ça soit désinfecté? Vous savez, techniquement, on est au Moyen-Âge. Non, mais oui, oui. Je sais pas qu'il est au Moyen-Âge, c'est ça. Déjà le ah oui, vous savez... C'est une technique que j'ai vue lors de mes voyages, c'est pour ça. Eh ben, écoutez... Il mettait de l'alcool et après, il brûlait l'alcool pour être bien sûr que... Ça va pas abîmer le fouet pas. Ah bah, peut-être qu'ils utilisaient peut-être pas le même cuir que vous, mais c'est vrai que le vôtre est tout de même assez impressionnant. Ah bah merci. Bah écoutez, je vais essayer. Et donc, tu vas discuter un petit peu avec ce monsieur et on va passer à Galonas 9 vies qui en a bien plus que 9 autour de lui. Et il se dirige du coup vers la pyramide d'humains. Que dire sur cette pyramide, ne serait-ce que il y a un nombre élevé de personnes sur une grande table en marbre qui font des choses que tu ne pensais pas forcément réalisables dans ces conditions. Alors, et bien sûr, ils sont tous faits. On a affaire au cercle du soleil. Voilà. Bah, déjà, la première chose, je vais juste tourner autour de... Enfin... De la manière, je ne sais pas comment je peux me déplacer, mais tourner autour de cette pyramide et utiliser mes oreilles opportunes pour voir si certaines personnes ont peut-être plus de... Enfin, si je peux capter si certaines personnes ont plus de renseignements que d'autres ou ce genre de choses. Je ne sais plus si c'est un jet ou c'est gratuit. C'est gratuit. Ok, alors laisse-moi juste regarder qu'est-ce que je mais peux après... te... J'allais dire après, vérifie voir parce qu'en plus c'est... C'est pas limité dans le temps, c'est pas une fois par jour et tout comme ça. Alors peut-être qu'il y a un oubli. Ouais, alors attends. Alors. Bien évidemment, tu vas entendre beaucoup de paroles qui ne sont pas vraiment ce que tu souhaites entendre. Bien entendu. Qui ne sont pas en rapport avec ta mission, si je puis dire. Mais tu vas entendre que une femme serait attachée à un parfumier. Et d'ailleurs, c'est vrai que
Toi-même, tu as senti les effluves un peu qu'il y avait dans le laboratoire du parfumeur. Après, on va dire que les gens ne discutent pas. Il faudra que tu fasses un jet de perception avec moins 20%. Il y a trop de bras, il y a trop de jambes là-dedans. Exactement. Après, effectivement, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'autres odeurs que celle du laboratoire du parfumeur. Qu'est-ce que c'est que cette musique de nul ? En plus, c'est écrit sans parole, il y a des musiques où il y a des paroles, bref. Sans parole. Ouais. Après, tu n'entendras pas vraiment de conversation intéressante, si ce n'est que des gens se demandent si des gens vont boire la boisson de Kniga. En t'entendant, il y a une espèce de... C'est des gens qui ont un peu l'espoir, tu vois, ça fait un peu de... Les gens vont tenter, est-ce qu'ils vont pas tenter, tu vois. La boisson de Kniga. Oui, il y a une boisson de Kniga, un peu spéciale apparemment. Non, j'ai pas de truc comme ça sur moi. J'ai cru que je connaissais cette boisson, mais non. Non. Bah, je vais essayer de me mélanger à la foule. Mais bien sûr. Tu te mélanges de leur manière pour passer inaperçu ou... Oui, bah oui. Oui, non, ok. Oui, non, bah oui, bien sûr. Du coup... Attends, je réfléchis. Je sors de MST. Je suis un chasseur de Pokémon, moi, Gotta Catch 'em All. Ah, bah bien sûr. Tu as tous ces collectionnés. Je regarde. Je me demandais pourquoi il a fait ramener des bouboules, maintenant je connais. Du coup, tu veux te diriger quelque part en particulier ou c'est juste tu te mêles à la foule? Je vais me mêler à la foule pour voir si déjà l'odeur de parfum se. Comment dire, se renforce. Si j'arrive à la retrouver au milieu de toute cette transpiration et ses autres odeurs. Okay. Et je vais quand même essayer de me renseigner sur cette boisson là qui la boit, qui la boit pas. Ok. Pour la boisson. Eh ben attends, d'avant. Je veux savoir que fait Elisabeth et Philidor. Ah bah, parce que bon, le temps passe et ton tatouage se fait, bien sûr. J'engage la discussion pendant ce temps. Ouais, pareil. Hein, je commence dans l'idée... tiens, c'est quand même... vous avez des coutumes très très différentes de là d'où j'arrive. Chez nous, jamais des nobles ou de riches marchands auraient l'idée de se tatouer, c'est pas forcément les coutumes de chez nous. Oui. Non, mais c'est pour ça que je fais des tatouages éphémères, parce que comme ça, ils peuvent avoir ce petit goût d'interdit, et c'est pas marqué à vie, quoi. Et vous savez, même par chez moi, on est plutôt dans le tatouage. Moi, je viens pas d'ici, en réalité. Par curiosité, d'où est-ce que vous êtes originaire ? Moi, je viens d'Esperanza. Enfin, avant, j'étais pirate. Enfin, flibustière, comme ils aiment dire. Mais bon, maintenant, je me suis reconverti en tatouage. C'est plus facile et puis moins de risque de mourir. Bien d'accord. Truc avec Esperanza. Esperanza, c'est l'île aux pirates, c'est ça hein. Ouais. C'est, il fallait trouver la poule noire, ouais, qui fait les œufs cubiques. Oh purée, nouveau ses œufs. Ça y est, il est retour des œufs.
C'était ça, je crois que c'est toi, tout. Hein. C'est toi qui en a parlé. Et du coup, donc ça marche bien alors auprès des nobles, des riches ici. Ah oui, mais plutôt les tatouages temporaires alors. Oui, oui. Puis en plus là, avec le mariage du prince demain, c'est il y a beaucoup de monde quoi. Il y a beaucoup de monde ce soir. Donc là, je fais un bon pactage. Sans vouloir vous enfoncer, bien sûr. Oh bah c'est votre travail, c'est votre travail. Hein. C'est normal. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez pas... Ça te regarde. Ouais. C'est une boucle d'oreille, au pire. Non, non. J'ai bien une idée de tatouage. Attends, je vais essayer de te trouver pareil. Il y a un truc. Mais alors... Et ces derniers jours, du coup, ça a bien fonctionné d'une manière générale, j'imagine. Depuis l'annonce du mariage, ça doit défiler. Oui, oui. Bon, puis de la Puerta fait assez souvent quand même ses soirées, donc... C'est plutôt bien. Ah, je me préfère vraiment cette vie-là que la vie d'avant. C'est plus compliqué. La vie d'avant, hein, bah, être pirate, vous savez. On va prendre la mer tous les jours. On n'a rien, des fois on trouve des trucs. Des fois on est obligé de tuer des gens pour récupérer leur trésor. Je lance comme ça un petit peu quelques noms que j'ai eu l'occasion d'entendre depuis qu'on est arrivé pour savoir si c'est des personnes qu'il a été amené à tatouer et puis qu'est-ce qu'il a eu l'occasion de faire. Enfin, ouais. Je peux le lancer un peu sur les différents tatouages qu'il a pu faire de différents clients. Ouais. Alors elle te dira qu'elle connaît pas le nom des gens parce que pour respecter l'espèce de secret de la soirée, le fait que tout le monde soit masqué et tout ça, elle demande jamais le nom des clients donc elle pourra pas vraiment dire qui a fait quoi. Mais oui, elle peut dire qu'elle fait beaucoup d'alcyon barré. Ouais, mais j'ai une petite question d'ailleurs. Or, ouais. Les tatouages sont vus comment dans ce monde? Généralement, c'est plus les brutes et les pirates qui ont des tatouages. Alors, attends. Y a... Après, on peut se dire qu'il y a des gens qui ont des petits tatouages, tu vois. Mais pas les nobles. Les nobles, ils n'ont pas de tatouage. Oui, voilà. Et limite, la meuf qui vient de la campagne, c'est pas grave, c'est un tatouage, quoi. Oui, c'est ça. Puis elle aura pas le même style de tatouage que les pirates, tu vois. Oui, bah oui, oui, parce que là, ce que j'ai trouvé, c'est pas du tout pirate, hein. Je vois ça aussi. Je lui dis, moi, j'aimerais bien faire ça. Tant qu'à faire, hein. Putain, mais... Et comment le nom de notre parfumeur déjà, c'est ça que je retrouve pas, ça m'énerve. C'était Giacomo Malatesta. Bien Malatesta, d'accord. Yop. Et yop. Du coup, l'armoirie, c'est bien une épée qui traverse un alcyon, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, bah au fur et à mesure de la conversation, je demande du coup est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un tatouage, une épée traversée d'un alcyon? J'ai vu ça récemment, je trouvais ça fort sympathique. Est-ce que c'est de vous? Alors attends. Je vais voir. Est-ce qu'elle a déjà eu? Discret, tout en finesse. Oh mais... Ah, c'est mignon. Je kiffe ça en vrai. Non. Personne n'a jamais fait ça. Et elle a fini vos tatouages parce que une fois qu'elle a fini le tien, elle fait le tien Elisabeth qui dure. Elle le fait vraiment vite. D'ailleurs, vous elle avez. Tatoue avec quoi d'ailleurs? Juste comme ça. Aïe. Et les tatouages de l'époque. Donc ouais, à l'ancienne quoi. Voilà. Aiguille et ça tape et ça tape et ça tape. C'est ça. C'est bon ça. Voilà. Par contre, je veux pas savoir comment elle fait les piercings. Hein. C'est non. Je demande aussi si, du coup, si dans par le passé, dans les sessions, il y avait peut-être quelqu'un qui vendait justement du parfum, des produits de ce genre, en fait, puisque ça pourrait tout à fait avoir son lieu ici ou. Qui utilisait ça peut-être comme produit récréatif, tu vois, une façon un peu récréative d'utiliser les parfums vu qu'il a des fioles qui peuvent induire des effets. Ouais, attends, laisse-moi voir. Ah oui, voilà. Ok, fais un jet de mentir convaincre.
Mal barré. Un moins 10. C'est encore plus mal barré. Ouais. Ah, dommage. Elle va te dire que... Je vais c'est vrai que tu peux retenter. Ah, bah non. En fait... Plus un. Ouais, plus un. Elle va dire non, bah... un peu tout le monde amène des parfums, donc... on peut pas désigner quelqu'un en particulier, quoi. T'as payé ta couronne, Elisabeth ? Oui, j'ai payé. Okay. Je me mets. Est-ce que vous allez ailleurs ? Je vais aller au bar après. Bah, ouais. Moi, je vais juste lui demander. J'ai entendu une drôle de rumeur à propos de poules noires sur Esperanza qui feraient des œufs un peu spéciales. C'est vrai, alors, ça ? Il y a des poules noires, mais ils font pas d'œufs spéciaux. Ils font des œufs de poule, quoi. Et dedans, il y a un poussin noir, mais c'est tout. Qui devient une poule noire, et puis... Je sais pas pourquoi, un jour, quelqu'un m'a parlé d'œufs cubiques. Oui, alors... Si tu veux, je peux être ton souvenir. C'est lui qui veut faire des œufs cubiques, en fait. Voilà. Il a besoin de regrouper plein de types de poules. C'était ça. Je savais plus. J'ai mal noté le truc, je crois. Donc, Les œufs cubiques, c'est l'objectif du taré. Ok, ouais, c'est... non, c'était... Oh, faut que je... J'ai récupéré une poule pour lui, je crois que c'était ça. Et d'ailleurs, Ferk, que fais-tu après avoir discuté de fouet avec... Sachant que bon, j'ai bien senti le dernier coup, donc je me dis que ça serait peut-être au lieu de faire mon fort, je devrais peut-être me faire soigner. Et j'essaie de discuter un peu avec les gens autour, en essayant de savoir qu'est-ce qui les attire un peu dans comment si ça fait. Bah, déjà, je demande au fouetteur si lui, ça fait longtemps qu'il vient à ces soirées. Oh oui. Alors il serait pas capable de tenir combien de temps, mais ça fait plus d'une dizaine d'années facilement. D'accord, et je lui demande s'il a vu ces derniers temps des choses un peu plus qui sortent un peu plus de l'ordinaire que d'habitude, surtout avec le mariage qui arrive, s'il avait vu... on cherchait quoi déjà ? Non, il te répondra que non, il a peut-être vu un peu plus d'étrangers que d'habitude, mais ouais, c'est rien de... mariage, quoi. Voilà, c'est ça, donc c'est pas quelque chose de vraiment... Comment pourrais-je dire ? Ok. Est-ce que je peux... C'était quoi qu'on cherchait qu'on était venu là? J'avais mis quoi dans mes notes? On cherche d'être disparu parce qu'on a trouvé une bague de cet endroit. Ouais, mais je recherche son nom, putain. Giacomo. C'est Giacomo Malatesta. Giacomo. Ouais, bah, je lui demande si par hasard il a pas vu de temps en temps quelqu'un qui avait plusieurs odeurs de parfum. Parce que je me doute qu'il connaît pas forcément le nom, vu qu'on est tous masqués. Eh ben, fais un jet de mentir convaincre. À moins 10. Moins 10 ? Ouais. Putain, si je l'aurais ici... Alors, vraiment, c'est moins 20. Mais vous êtes sous une bonne étoile. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ça doit être la pleine lune. Mmh. Surtout, en ce moment, il y en a plusieurs. Ah, oh, c'est beau. Je te dirai que le nom est... Tu sais, il va te dire à peu près la même chose, c'est que les gens ils viennent souvent, ils ont tous beaucoup de parfums, donc ils pourraient pas identifier plus que tu. Ouais. Ok, je m'arrête là parce que je sens que je suis pas en veine. D'accord. J'allais faire un tour du côté du buffet, je me dis, je vais peut-être essayer de me rassasier un peu le gosier. Ensuite, je ne pas que tu gagnes un la réponse, je m'y attendais, mais voilà. Je crois que tu as gagné un point en mentir convaincre. Ah, j'ai gagné un point en mentir convaincre. Oui, vu que tu as fait un échec critique. Donc, vous retrouvez tous au espèce de buffet-bar. Vous voyez qu'il y a énormément de boissons alcoolisées, la plupart quand même. Hein. Et il y en a vraiment de tout les sortes. Il y a bien sûr, il y a quand même de l'eau, parce que bon, mine de rien, des fois, boire un peu d'eau, ça fait du bien. Quand on a la tête qui tourne, notamment. Vous voyez... Je rappelle qu'il faut boire avec modération, s'il vous plaît. Oui, merci. Sauf même l'eau, en fait. Mais
Vous voyez donc plusieurs liquides, vous vous en rapprochez. Il y en a un qui vous attire, qui est donc toi, Fer, tu le connais. C'est une liqueur de jasmin d'Akaba, qui a une odeur délicate et qui du coup est plutôt intéressant. Et vous voyez dans un espèce de... Comment je pourrais dire ça ? Une grande coupe. Vous savez là où il y a du punch généralement. Ouais, vous voyez une boisson un peu noire avec un embryon mort-né dedans. Oh. Il y a le barmar qui vous voit juste devant et qui vous dit « Ah, vous vous êtes intrigué par le pulque interdit de Kniga ?» Le quoi ? Le pulque interdit de... Le pulque interdit de Kniga. C'est que ça. Le truc que j'attends de boire. C'est alors toi Philidor, ça te dit quelque chose et ça va être redit par le barman. Il dit, selon la légende, cette boisson et son embryon mort-né maudirait le buveur. Écoutez, si l'un d'entre vous a le courage d'en boire et d'avaler la boisson, bien sûr, pour prouver que vous avez bu, on vous donnera la coquette sun de 5 couronnes. Ouais, je regarde un peu mes compagnons, sachant que j'ai déjà gagné 3 couronnes et que je suis assez blessé comme ça. D'ailleurs, hein, je pense que moi, je vais passer mon tour. Oh, peut-être que deux malédictions, ça s'annule. Oui, moi, alors, méfie-toi, les maths, ça marche pas forcément dans d'autres domaines. Hein. Non, mais je le dis pas pour moi, je le glisse à galop, moi, je suis pas maudit. Hein. Ça va, je suis déjà maudit donc je peux tout boire. Tu vois, il est d'accord. Alors, si tu veux en boire, il va falloir que tu fasses un jet d'endurance x5. Endurance x5. Ouais, parce que la boisson a un goût très prononcé d'œuf qui a tourné. C'est... Oh merde. Donc, tu vois, tu commences à boire le liquide dans ta bouche, mais tu recraches tout doux. Tout de suite. Tu n'as pas réussi à avaler la boisson. Oh non, moi je teste pas ça, c'est... c'est mort. Non, je tu tiens peux pas retenter plus. Si tu veux. Ah, bien sûr, vous oui. êtes un peu une attraction à ce moment-là, hein. Il y a quelques personnes qui vous regardent, il y a même peut-être une ou deux personnes qui a un petit peu rigolé... en te voyant recracher la boisson. T'inquiète, à un moment, elle va rester à l'intérieur. C'est ça, et là, tu dis, allez, vas-y, j'y vais, j'y retourne. Là, t'y vas. T'en reprends un autre. Et pareil, t'as le même truc. Tu tout sautes même après, un peu. Donc, il y a un peu plus de rire, et t'as le barman qui fait... vous ne forcez pas, hein, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de... Et là, je lui dis, regarde, vieil homme. Alors, il est pas spécialement vieux. Et là, tu bois. Tu bois ton troisième. Finalement, le troisième verre, c'était la bonne. Et tu arrives à voir, mais le goût est horrible. Tu toussotes un petit peu, parce que à cause du goût. Hein. Mais là, tu vois que. Hein, tu montres que tu as vu, que tu as bu. Ceux qui vous regardaient applaudissent. De manière de bourgeois, hein. Bien sûr. Et le barman te dit « Félicitations, incroyable que quelqu'un ait tenté de boire le pulque maudit. Écoutez, voici les 5 couronnes de la part du manoir. » Boum. Voilà. Pas plus maudit ou pas ? Je ne te dirai pas l'effet pour pas... pour pas, comment dire... Pas spoiler. Ouais, te spoiler, puis ça peut peut-être te dire « Ah, finalement, je vais pas faire ça, parce que... » Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. De t'influencer, voilà. Voilà, influencer, merci. Pourtant, on est sur Twitch. Pourtant, je suis influenceur, effectivement. Tu nous influences pas beaucoup sur ce coup-là, c'est pas terrible. Ouais. Du coup, okay. Vous êtes là. Vous pouvez boire, bien sûr, des boissons qui sont autres que le pulque maudit. D'ailleurs, bien sûr, le pulque étant alcoolisé, hein,
Tu vas commencer à te sentir un peu hébété, mais ça va. Oh non, le retour de Galo, le pourri. Non, 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 ça va. Là, ça va. Ça, c'est... Ah. C'est comme quand tu bois une bière ou un truc comme ça, tu te sens bien. Je suis enivré. Voilà. Et je suis pas bourré. C'est ça. Bon, ça va. Il est encore lucide. Il aime tout le monde pour le moment. Non, il est encore un peu avant ça. Il est encore lucide. Tout va bien. Moi, je voulais dire quoi Pas rien. Moi... Non, je suis en train de repenser à mes points de vie, c'est pas pareil. Donc, bien sûr, que je me fasse soigner. Mais bon. Je peux rappeler, Galonas, on vous a dit hein, qu'il y aurait quelqu'un qui serait amoureuse d'un parfumier. Je l'ai pas trouvé par contre. Tout le monde s'en fout. Eh ben, en tout ouais, cas, c'est clair. Quelqu'un qui était proche du parfumier. Et j'ai peut-être fait des choses avec elle, j'en sais rien, parce que je l'ai pas trouvé. D'accord. Je regarde s'il y a des personnes qui sont peut-être au bar, prêts à engager la conversation, etc. Pour essayer de discuter justement avec d'autres personnes, quoi. Pas spécialement le barman. Moi, j'ai pas trouvé non plus. Plutôt des femmes, du coup. Oui, attends, je vérifie juste un truc. Une femme qui aurait été amoureuse d'un parfumier, du parfumier. Tu vas poser des questions à des gens, fais-moi un jet de mentir-convaincre à moins 10 toujours. Oh, tu dis un truc, la personne devant toi le prend mal. Et elle te met une baffe. Voilà, tu perds un point de vie. Oh, c'est écrit ma petite baffe, putain. Ah, c'est pas de la petite baffe, là. Ah, non. Bah, écoute, je sais pas ce que tu lui as dit, mais... Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent se marier, là. Ouais, effectivement. On se retourne, on est étonné, on te voit au sol, ça va. Non, quand il est pas au sol non plus, mais... Mais là, je suis toute rouge, c'est... Tu sais, il a le masque, il est un peu de... Le masque, il est un peu de biais, tu vois. Et moi je fais. Ça va. Mais tu as gagné un point en mentir convaincre. Ah, tu m'étonnes. Tu vas le voir avant, t'arrives à faire un jet et tout va bien. Oh mon dieu, tu sais pas disparaître pour lancer les dés, je vous le dis. C'est clair. Comment on pourrait trouver cette personne? Et moi je tente quelqu'un d'autre. Hein, si... Allez, vas-y. Position, je lâche pas l'affaire. Allez, vas-y. À combien de points de vie, c'est juste pour savoir. Il va se faire jeter dehors et ça va être marqué gros lourd sur son truc. Aïe, aïe. Ouais, je peux. Vas-y, vas-y. Pas, du coup. Allez, vas-y. Tort de rire. Ah, c'est dommage. Alors... C'est dommage. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui aime un parfumier. Tu vois qu'elle a un peu de mal à se concentrer, peut-être le fait qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui fait des choses ne l'aide pas trop à se concentrer. Et elle te dit qu'il y a bien quelqu'un comme ça dans la soirée. Mais elle a peut-être le parfum sur lui. Sur elle, pardon. Je pense qu'on est très loin de sentir des odeurs de parfum et qu'on doit sentir surtout beaucoup d'autres choses, mais bon. Vous pouvez essayer, hein. Je tente le coup quand même. Vas-y, j'ai des perceptions. J'essaie d'aller à un peu différents endroits, de prendre un verre, de discuter, d'échanger. Au passage, je vais sentir, ce qui fait que je vais me reprendre une tarte en humant une personne. Ouais, moment, c'est ça. Bon. Tu vas mettre un nez où il faut pas. Allez, vas-y, j'ai un jeu de perception. À moins 10. Ah, dommage. Ça passe pas. Tu ne sens rien. Ça passe, par contre, il n'y a rien qui passe. Ah ouais, non, ce soir, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, je l'ai passé à droite à gauche. Oh mon dieu. Je vais reprendre un verre et pareil, genre, tu sais, naviguer entre les gens, essayer de sentir un parfum qui serait un peu différent de tout ça. Je suis où?
Il est où? Mince. C'est quoi encore? Alors, perception. Attends. Là. Si tu veux poser des questions, c'est mentir, convaincre. Putain, mais c'est pas possible. Alors... Je sens rien, j'ai le nez bouché, les gars. Moi, justement, je pose la question J'y vais au culot, je pose la question au barman. Ouais. Si, alors, on connaît le nom du parfum ou pas? Je sais plus. Le son Josmalie. Voilà. Oula. Alors, je demande au barman s'il a senti ce soir quelqu'un qui aurait le songe Osmarly, c'est ça? Je me suis non, trompé. Dosmanly, je vais t'écrire. Dosmanly, pardon. Alors, tu m'as dit, c'est mentir, convaincre, c'est ça? Oui. Avec un malus de 10. Et donc, c'est le drame. Il te dira que non. J'avais compris avec... J'ai de la chance, parce que si j'aurais fait 90 plus 10, j'étais dedans. Ah non. C'est pas plus 10, c'est à moins 10 sur ton seuil. C'est ah con, oui, c'est... Oh bah ça change rien de toute façon. Oui. Ok, bon bah là je t'avoue que je sais pas du tout quoi faire. Je vais aller retourner voir la tatoueuse, ouais. Peut-être que... Tiens, je vais te suivre, j'ai pas envie d'être un peu seul, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un peu trop de regards sur mon dos, donc je viens avec toi. Oui, bah oui, comme ça les regards ils sont avec moi, merci. je vais voir la tatoueuse et je vais lui demander si ça lui dit quelque chose, quelqu'un qui porte ce parfum. Ah, vas-y. Mentir, convaincre à moins 10. Ouais. Allez. Oh oui, félicitations, on peut vous applaudir. Sinon, c'était peut-être la dernière fois que vous allez faire un G pour là. Je vous dis, oui, qu'il y a une Linacie qui s'appelle. Bah, elle ne sait pas puisqu'elle ne demande pas le nom des gens, mais qu'il y a une Linacie qui se dit d'être amoureuse d'un parfumier. Elle te donne à peu près sa position parce que tu sais, elle arrive à le voir. Dans la foule, et en fait elle est sur un côté, elle est pas, on va dire, au milieu de tout le monde. D'accord, elle est un peu à l'écart. Ouais, voilà, un peu dans son coin. Donc une personne en retour, j'allais dire, elle est habillée comment, enfin... ouais, et ben, bon, c'est quoi le seul vêtement qu'elle a? Eh ben, je vais te le dire. Donc vous y allez tous, hein, bien sûr. Ton groupe y va. Carrément. Ah bah, à moins que vous direz que vous deux. Mais pour moi, j'allais dire, j'aurais fait plus une approche discrète, genre. Avec mes lacérations. Non, justement, t'as resté de côté. Ah, si tu veux, il y a que toi qui vais. D'accord. Ok, bon, vas-y alors. Je te fais la tête et moi, je retourne boire. Je retourne prendre un coup de poing. Est-ce qu'elle a plutôt, genre, dans son coin en retrait, genre, j'observe juste, ou. Blasé, enfin, c'est quoi son attitude, quoi? Non, elle observe juste. Par contre, faire que tu vas au bar pour boire, tu vas boire ou tu vas doucement? Je vais au bar pour boire non alcoolisé, si c'est ta question. Et en même temps, je laisse traîner mes oreilles. Ça te va? Oui. Oh, bah, tu sais, tu vas pas entendre beaucoup de choses intéressantes. Pour le jeu, peut-être. Oui, bien sûr. Après, ton perso, il fait ce qu'il veut. Alors. Du coup, je pense que Philidor et du coup et Gallo, ils vont rester au bar aussi, j'imagine. Très bien, le bar. Oui, bien sûr. Contre le bar. Non, mais rien. D'ailleurs, c'est Roger Barista qui vous sert. Ah, c'est pas Raymond. Non. Du coup, tu t'approches, Elisabeth, d'une Linacie aux yeux dorés et aux très longs cheveux. Tissé autour de son corps comme un habit qui montrerait tout ce que cache habituellement un vêtement. La Linacie se présente à toi sous le nom de d'Acelia et te salue. Elle est curieuse de savoir quel service tu es venu chercher auprès d'elle. Ça s'écrit comment son nom? Ah. Parce que voilà, j'aime pas faire des fautes dans les prénoms. Alors, Acelia. D'accord.
Donc ses cheveux servent de vêtements. Exactement. La petite maline. Comment qu'elle fait ? Là, je suis intrigué par ce... Comment ? Tu connais Bayonetta ? Bah voilà. D'accord. Et sauf que... Oui, bon, voilà. Ok. Ok, je vois. Mama, je suis choquée. Comment je peux aborder la conversation maintenant ? Déjà, elle te dit, on peut aller dans une alcôve pour être en privé. Puis après, tu dis qu'il y a tout type de service. Non, mais en fait, c'est très bête, mais j'ai juste senti votre parfum et je me posais la question de qu'est-ce que c'est votre parfum. Voilà, hop. Allez, on essaie de noyer le poisson comme ça. Ah, ah oui, mon parfum, c'est le songe d'Osmanli. C'est un des plus grands parfumeurs qui l'a fait. Et il est fait ici d'ailleurs, et généralement c'est même un parfum pour le prince, habituellement. Et vous avez réussi à vous procurer ce parfum qui est plus d'habitude les princes qui le portent ? Je suis bien curieuse là. Vous m'intriguez. Comment avez-vous fait ? Je te dis, vous aussi vous m'intriguez. Génial. Tu vas y passer, chacun son tour. Et en fait, voyez-vous, j'ai pu m'en procurer parce que je... Simplement, voilà, j'étais attaché au parfumier, qui s'appelle Giacomo. J'ai failli dire attaché comment ? Ah bah bravo. Littéralement ou métaphoriquement ? Métaphoriquement, même si quelquefois... Et vous respire, savez, c'était un brave respire. Homme. Enfin, c'est un brave homme. Il faut que le jeune respire. Ah, attends, elle a dit c'était ou c'est non, un... Non, c'est moi qui... Ah, d'accord. C'est un brave homme qui est amoureux de moi et de mes origines, donc... Et j'étais un peu sa muse. Et il est pas là ce soir ? Non. Vu que... Non, il est pas là. J'ai cru comprendre qu'il serait parti à Aria pour une semaine ou deux. Bon, sûrement pour affaire, hein, vous savez, quand on fait des parfums comme ça là. Et vous êtes pas allé avec lui ? Je vois vraiment la fille qui essaie de creuser comme elle peut là. Non, ouais. Non, vous savez, moi j'ai mes obligations ici, hein, je travaille ici, mais bon. Putain, j'avais pas compris qu'elle travaillait ici, moi. Oui, bah, elle a des services à te proposer. Ah oui, oui, bon. Ouais, voilà. Oui, bah, vous savez, moi, après, maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai croisé hier dans le parc des anges, mais il m'a juste ignoré. Vous l'avez croisé hier dans le parc des anges. Il est où le parc des anges ? Le parc des anges, il est pas sur la carte ? Attends. J'avoue, si. J'ai pas regardé. Il est. Alors attends, laisse-moi regarder, je vais te dire ça. Ouais, je viens de il voir. Il est en plein milieu de. Il est en plein milieu de l'île. Ok. Gigantesque. Oui. Ouais, en plus, tu aurais la taille du parc. C'est le parc de l'île en fait. Dis-toi que c'est une île où il y a que des nobles et des bourgeois donc. Oui, bah oui, tout est forcément démesuré. Voilà, comment il s'appelait encore ? Giacomo. Malatesta. Parc des anges hier, c'est ça ? Ouais. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il était plutôt froid avec moi. Alors. Ça y ressemble pas d'ailleurs. Il avait l'air inquiet peut-être ? Non, mais d'ailleurs, tu remarques que toi, par contre, t'avais l'air un peu inquiète, tu vois, de... Que, de ouais, ça... J'ai... Parce que, ouais, est-ce que, ouais, j'allais dire, est-ce que je vois pas qu'elle me raconte des bobards ? Ça y est, je suis en mode psychologue, fais attention ! Un jet de psychologie. Oh. Attention, la psy. Non, elle te raconte pas de bobards. Ok.
Donc elle a l'air inquiète, ouais. Et vous n'avez plus de nouvelles depuis bah, depuis hier, non. Et il est parti. Et nous, on sait qu'il est parti quand ? On en avait dit là. Bah, hier, normalement. Non, attends. Non, il est parti plus tôt. Hein. Oui, il y a 2 jours, je crois. Ouais. Okay. Mais bon, oui. Mais il était tout seul ? Bah, quand j'ai vu, oui. Mais bon, je pense que assez parlé de moi. Parlons de vous. Vous venez passer. Ça vous dit qu'on s'isole pour mieux parler. Mmh. J'ai du mal avec ce personnage, j'ai l'impression. Et moi donc. Pas faire. Attends, comment je peux... Aidez-moi à trouver une connerie à ça. On n'est pas à côté de toi, débrouille-toi. On n'est pas à côté de toi. Ah, mais après... Moi, je suis en train de siroter un sacré jus de fruits que je connais pas, là. Alors... Donc, je suis aux anges, mais je ne te regarde pas. Bien sûr. Remarque que t'es un peu timide, hein. Donc, tu sais... En fait, c'était pas le but, hein, non plus Tu vois, la figure en mode, ah, je sais pas quoi dire, comment... Je veux pas en mode, voilà, mais en même temps, ça m'intéresse pas. Tu vois qu'elle comprend et qu'elle a un sourire amusé par rapport à ta timidité, parce que... Déjà, par rapport au lieu où tu es, quoi. C'est pas possible avec ma cape, tu sais. C'est ça. Donc, elle va bien sûr... Elle comprend, hein, donc bien sûr, elle va te laisser partir, mais avant, elle va te faire, tu sais, un petit massage des épaules... pour te détendre et puis gentil quoi. Ouais, voilà, tu sais, elle a quand même apprécié cette petite conversation qui étrangement elle sentit qu'elle pouvait se livrer à toi. Donc elle te fait un petit massage d'épaule, tu vois, pour que tu repars un peu plus détendu et voilà. Merci beaucoup. Et je repars faire mon rapport au garçon. Bien sûr. Bon, bah on a un nouveau lieu à fouiller, le parc des anges. Et là, quand tu dis ça, tu as une personne qui était à côté de vous, qui se retourne, et vous voyez avec ses lunettes qui a des petites longues vues, qui dit « Oh putain !»« C'est parfait, du coup, nous avons un nouvel endroit à visiter. » Mais... C'est ses lunettes, son ami, du coup ? Ouais, c'est ça. Et moi, depuis quand vous êtes là ? Bah écoutez, je suis une enquêtrice, j'ai quand même trouvé des... On s'appelle. Elle est dans quelle tenue ? C'est quoi le vêtement qu'elle a gardé ? C'est des lunettes. Moi j'ai halluciné. Les lunettes cachent tout le visage. Je comprends pas. Au secours. Ah non, ça cache juste ses yeux. Oh, mais arrêtez de chanter. On a foiré tous nos jets depuis le début, on l'a pas vu. Hein. Ah bah oui. Ah bah là oui. On l'avait pas senti non plus. Il cachait tout son visage. On a rien vu toute la soirée. C'est ça. Ah bah si ça se trouve, elle était dans la pyramide avec moi. Ah, tu dis non, jamais pendant le service. Moi, je peux dire que pendant le service, je m'y suis donné. Hein. Ah, vous êtes, c'est bien de faire. Je donne tout pour l'enquête, moi. C'est bien d'enquêter au fond des choses, mais. Oh non, il a osé. Voilà. Oh non, il a osé. Sponsorisé par Stiland. Allez. Purée, c'est JDR par an. Ouais. Oui. Du coup, sachant qu'il va être environ 3-4 heures du matin, oh putain, que faites-vous ? Dormir quelques heures, on y verra tout aussi bien le matin. Ah, voilà, dormir, alors, moi, dormir. Alors, moi, dans l'ordre, je veux aller dormir et après, je vais aller me faire soigner. J'ai des blessures à soigner. Comme t'as dit, c'est une bonne idée d'aller dormir. Comme ça, ils sont en pleine forme pour continuer l'enquête. C'est qu'on va aller se reposer. Donc. Ouais, on va faire ça. Vous sortez. On a un bateau. Ah oui. De toute façon, oui, vous avez pas de maison. Il n'y a pas de taverne. C'est pas un. C'est un lieu de riche, quoi. Avec des bourges. C'est ça. Il y a une maison inoccupée à notre connaissance. Oui, aussi. Si elle est moins loin que le bateau, moi j'y vais. Il est moins sur le lieu
Tu dis ça alors qu'Olapien Fauté est à côté de vous. Oui, c'est j'ai ça. Rien dit, je sais ce que je fais. D'accord, ok. Non, c'était juste pour savoir. Olapien vous donne rendez-vous le lendemain vers 10h. Pour vous laisser le temps de dormir. On a récupéré nos affaires, bien sûr. Hein. Bien sûr, oui, je considère que tout le monde a récupéré ses affaires, vous êtes habillés. Ça va, c'est dommage qu'on sorte comme ça. Non, vous sortez à poil dans la rue. Arrêté directement au cachot, allez. Moi, j'ai pensé plus à... Ah, j'ai perdu la clé, j'ai plus mes gants. Oh là là. Ils sont restés... Alors... Il va pas dire ça, il va nous sortir un truc, on va être embêté. Tu sais, on sait jamais, hein. Squirrel. Attends, je sais plus où c'est. Tu vas nous dire une histoire de pyramide humaine. Libéro, c'est le 12, c'est en bas à droite. Non, non, ouais, non, c'est pas Squirrel, c'est plus vers le Libéro, du coup. Alors, vous êtes plus vers le Libéro, donc oui, je considère que le manoir abandonné est plus proche. Après, est-ce que vous avez envie d'aller là-bas? Bon, écoute, il y a un lit, un vrai lit, j'entends. Il y a un lit, ouais. Qui est pas loin. Je dis pas forcément... Ouais, en tout cas, j'en parle pas forcément tant qu'on est dans le bâtiment, mais en sortant, ouais. Vous voyez que je vais peut-être pas en direction du bateau. Mais tu vas où, là? Le bateau, bon, y a un lit à 200 mètres. Vous m'excuserez de pas retourner, là, pour 3 heures, jusqu'au quai. C'est pas faux. Il doit y avoir un canapé. Ah, il doit y avoir d'autres endroits à coucher. C'est pas bête. Bah attends, on est un groupe, on va tous y aller, sachant Let's que... Go. Voilà. Gavinas, tu suis le mouvement? Oui, pardon. Oh, non, oui. Pas de problème. Eh ben, vous allez dormir dans la maison de Giacomo Malatesta. On va vérifier d'abord s'il n'est pas rentré, on sait jamais. On sait jamais, mais bon. Ça serait le compte, imagine. Ah, ça serait très drôle. Bonjour, je vais bien. Bonjour, vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Mais on vous croyait mort, mais moi aussi je me croyais mort. Mais quel miracle. Elisabeth, t'avais trouvé un papier avec un dessin de fleurs, je crois. Oui, Ouais, c'est pas moi qui l'ai trouvé, celui-là. Ah, mais en fait, il était dans un livre que tu as donné à... La cloche factive. La fleur qui pousse que sur les racines, et c'est qu'une seule fleur qui pousse. Ouais. Du coup, comment on a changé? Je peux remettre une ambiance un peu plus... Classique. Exactement. Et donc vous endormez dans le livre, oh là là, dans le manoir, puisque effectivement vous étiez, il n'y avait que vous, il n'y avait pas de Giacomo. Il n'est pas revenu. Non. Et du coup, alors, qui dort où? Il y a un lit, il y a un canapé. Ah bah, moi je m'étais barré en premier, donc j'ai pris le lit. Je me pose une question. Il reste un canapé et un fauteuil. Canapé. Je prends le fauteuil. Bon, Magalonas, tu dormiras par terre. Bien entendu. Le sol, c'est bon pour le dos. Et puis comme ça, pendant la nuit, je pourrais faire le guet. En étant position Batman sur les hauteurs. Mais bien sûr. Pendant que tu dormiras, t'auras Fripouille et Saucisse qui vient contre toi. Non, mais quand même, on n'est pas comme ça, on passe des couvertures. Hein. Oui, pense non, bien pas sûr. Des trucs comme ça, hein. On n'est pas des sauvages, voyons. Philidor, tu pourras gagner un point de vie. Puisque tu as dormi dans un lit. Tu vas être plutôt bien. Pour les, si autres, ça... faire soigner. Pour les autres, ça va piquer un peu quand même le lendemain. Enfin, Fidor, ça pique aussi, mais moins. Ça va, le canapé, en vous vrai... Vous êtes un peu fatigué quand même. Vous, pire voilà. Qu'un canapé. Du coup, c'est le matin. Je considère que... allez, on va dire qu'il est 9h. On va dire qu'il est 9h. Comme ça, il est une heure avant votre rendez-vous.
ça vous laisse le temps de peut-être d'aller au bateau pour manger un peu et d'aller au rendez-vous. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver une pharmacie, un médecin pour que je puisse me prendre des soins? Pour me soigner, parce que c'est bien beau que je continue l'aventure, ouais. Mais si ça continue, je vais perdre mes points de vie parce que je suis blessé. Donc j'aimerais pouvoir me soigner. Je vais te suivre parce que j'ai 5 blessures, je sais plus d'où elles sortent, ces 5 blessures, mais... Heureux hasard, au moment où vous sortez et que vous avancez un peu plus loin du manoir, vous croisez une personne avec une mallette de médecin. Ah oui, c'est vraiment le hasard, dis donc. Ouais. Et on fait quoi? Bizarrement, je suis rentre dedans, ça se passe comment? Parce si tu veux, t'es dans la rue, tu marches et tu vois quelqu'un qui vient dans la direction opposée, qui a une mallette de médecin. D'accord. Okay. Avec un petit caducé et tout. Ouais, je l'interromps, je lui demande s'il fait des... S'il peut regarder mes blessures, s'il a un cabinet pour cela, ou quelque chose dans ce style-là, quoi. Je peux regarder. Il fait ça dans la rue? Il regarde. Non, en fait, il regarde l'étendue de tes blessures. Il va pas te soigner, il va te sculpter rapidement. Ah oui, vous avez trébuché récemment, non? Vous avez pas mal de... On va dire ça, oui, j'ai trébuché, oui. J'ai glissé sur quelque chose, effectivement, et ça m'a fait tomber, on va dire. Il voit les... Il fait une petite chute. Il voit, les marques dans ton dos, il te dit, attendez, je peux au moins vous mettre un peu de... Donc il te désinfecte, tu peux te soigner d'un point de vie. Oh, c'est gentil, c'est déjà ça. Il dit, pour le reste, passez dans mon cabinet dans l'après-midi. D'accord, donc il va me donner son adresse, son nom déjà. Donc je prends son nom. Alors attends. Tac, 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 tac. Alors, c'est le docteur. Attends, je regarde. Je vais pas écrire un médecin. Ah. En un seul mot, bien sûr. Oh putain. Il faut qu'on arrête de partir en cacahuète hein, comme ça. Alors. Je sens que ça va être encore un nom facile à écrire, non, tiens. Pardon. Je me suis trompé. On est où, là? On est Alta Bianca? Oui. Non, en fait, j'ai confondu avec un autre médecin. Ah, pas de soucis. Je sais pas écrire Alta Bianca. Ah, c'est Alta, pas Altia. Non, c'est Alta. Oui, il y aurait le chat, il va se calmer. Ça c'est fripouille. Ouais, il a retourné sa gamelle de croquettes dans sa gamelle d'eau. Oui, bien. C'est original, ça. C'est plus facile à manger. Ça fait une grosse pâtée immonde. Bien dégueulasse, ouais. Ouais. Ce qui fait que t'es obligé de nettoyer la gamelle de fleurs. Ouais. Alors, attendez. Pour ça que moi j'ai résolu le problème avec mes chats, c'est une fontaine à eau. Ils peuvent pas la retourner comme ça. Nous, on n'a pas de place pour mettre la fontaine à eau. Donc moi j'ai un chat débile. Oui aussi. T'as un chat débile? Bah ouais, elle gratte la fontaine, enfin bref. Alors, à ta gouverne, nous on a le temple de MJ. Ouais, je cherche. On a changé le lavabo de la salle de bain, le chat il trouve... Il croit qu'en grattant le fond du lavabo, l'eau va apparaître. C'est pas mal. J'ai pas un petit cadre avec des noms random? Oh. C'est les ingrédients. Ah, tu peux prendre un ingrédient pour transformer en médecin. Hein. Je te rappelle que Végéta ou cacarotte, etc. Tu cherches quoi? Un nom de médecin. Un nom de médecin, parce qu'en fait, j'avais confondu avec un autre PNJ. Donc, mais écoute, ça sera le docteur Maison. D'accord, monsieur Maison. Docteur Maison. Et son cabinet, il est où? Il est dans Plainsboro.
La plaine Zboro. La plaine Zboro. Il est dans le Libéro. C'est le truc... Là où on est, quoi, globalement. Ouais. C'est le quartier où on est actuellement, là. Ah ouais. Pourquoi ça, okay. C'est dans le... Donc, je le remercie déjà pour ce qu'il m'a fait, et puis je lui dis... J'ai tué un moustique. L'après-midi, quoi. Et okay. Dans le Libéro, tu es du moustique, c'est ça que t'as dit ? Ouais. Ok. Et donc, j'ai regagné, du coup, tout de même, avec ce qu'il m'a fait, j'ai regagné un point de vie. Ouais. Cool. Ok. Alors, quand même, un petit rappel de vos missions. Je peux bon, aussi être vite fait diagnostiqué, là, parce que j'ai 5 blessures que je sais pas d'où elles sortent. Bah, je sais pas non plus, donc il va avoir du mal à... Ouais. On va dire que, tu sais, lui, c'était les coups de fouet qu'il a dans le dos. Donc il y avait encore des plaies qu'il pouvait penser. Ah, mais c'est pas quand je me suis cassé la gueule. Voilà, toi, tu t'es pété la gueule, donc c'est un peu plus... Ouais. C'était ça. Tu t'es pété la gueule à 5 points de vie, quand même. T'as quand même gardé des plaies. Non, il y avait un autre truc avant, mais je m'en souviens plus. Mais ouais, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc vous avez cette histoire de plantes... pas de plantes, de parc, pardon. De l'ange. Vous avez aussi trouvé le codex pour l'église qui est certainement dans le palais du prince. Et puis c'est déjà bien. C'est déjà... Bah oui, parce que le vin s'est fait... Bah, le vin, on a sa beauté, on l'a pas encore vendu. C'est pas faux. Faut qu'on le vende. Puis avec... Donc peut-être retourner effectivement au bateau. La longue vue, c'était bon. Oh, Ibolia, elle est retournée au bateau, elle va avoir du vin. Elle est marchande quand même à la base. Oui, bah oui, oui. Ouais, et puis ça se trouve, elle vendra mieux que nous. C'était quoi les histoires des fresques encore? Parce que j'ai marqué la fresque des ennemis du dieu ennemi. Je sais plus ce que c'est, ça. Ah bah alors là, je ne sais plus. Bon, c'est un truc parce qu'on a dû voir quand quelque part. Ah, attends. Pas quelque chose qu'on a vu dans le manoir, au centre de Sophia, là, ou... Il me semble, un truc comme ça. Ou auprès d'une autre secte, je ne sais pas laquelle. Attends, je regarde où est-ce qu'il y a écrit fresque. Et ça me fait peur parce que c'est dans le livre là où il y a écrit fresque. Est-ce que tu peux me dire. T'as pas plus de détails ? D'accord. Eh ben, vous saurez peut-être plus tard. Voilà. Ça sent le. Il faut que je regarde les épisodes passés. Ouais. Du coup. Que faites-vous ? De toute façon, pour l'instant, on a un rendez-vous au parc. Ouais. Oui. Et donc, moi, je commence à m'y rendre. Ouais. C'est en fin d'après-midi, la grande... C'est quand, la grande fête, le mariage, tout ça là. Ouais, c'est dans la soirée. C'est et je vous rappelle que, du coup, à 3h du matin, vous devez retrouver Bonne Fortune en dehors du port. Ou dans le port... Il a une mission pour Arya, tout ça. Mais là, il est pas 10h là. Non, là aussi, là, on va dire que le temps que vous avez un peu baladé, que tu as posé la question à ce médecin, il est un peu moins de 10h, mais vous voyez que. Mais j'en ai avant, quoi. Elle est déjà là. Est-ce qu'il y a le vent des. J'ai trompé de terme, pas des anabolisants, c'est quoi le terme déjà pour... Les antidiurétiques qui maintiennent éveillé. Ah, Des excitants, des... Mince. On l'a tous sur le bout de la lèvre, mais... Du guronzan ou autre, l'équivalent, tu vois l'idée, mais... voir. Oui, pour rester réveillé, quoi. On peut dire que...
Attends, vous êtes dans un endroit où il y a des manoirs, donc c'est compliqué, en fait, il n'y a pas vraiment de marchands. Non, mais lui, peut-être... Non, mais il est un médecin. Ah. En tant que médecin, il a sans doute des produits divers et variés. Okay. Ouais, ils peuvent vous donner un truc pour vous donner un petit coup de boost. Des amphétamines. Allez. Donc ça, c'est de la poudre blanche, vous la mettez comme ça en rail. Puis avec le nez. il vous fera... Pas d'apologie de ligne blanche, s'il vous plaît, monsieur le MJ. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Oui. Qui nous écoutent. Oui, ouvre broyer. S'ils sont là depuis le début. Ouais. Du coup. C'est pas faux. Ouais. Les allusions qu'il y a, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, par contre, il vous le fera un couronne chacun. C'est cher, un couronne. Ouais. Vous êtes. Non. Un jeu de riche. Oui. T'as dit combien? Une pas couronne, bien entendu. Chacun. Ouais, ok, d'accord. J'adore le ok, d'accord. Allez, roule. Allez, c'est pareil. Faut qu'on arrive à tenir, donc... Elisabeth? Une dose de poudre blanche. Non, je poudre pas le nez. Alors... Une dose d'enfant en poudre. Bon, on va dire plutôt... Ouais, voilà. De quoi? Les amphétamines iophilisées. Tu mets ça dans ton verre d'eau, tu touilles un petit peu, hop. Ouais, ça c'est plus du gros sang. C'est ça. Bah allez, va pour le... Comment je notais ça, moi? Non mais mets gronzan, tu mets poudre énergisante. Poudre énergisante. Ah, j'aime bien le terme, ouais, je prends moi. Énergisante. Allez, encore une couronne en moi, purée. Et vous arrivez, donc, Parc des Anges. Vous retrouvez, bien sûr... cette chère Olympia qui dit « Bon, maintenant qu'on est au parc, il faut qu'on trouve quelque chose qui pourrait être en rapport avec Yakumo ou peut-être trouver Yakumo. Mmh. » Est-ce que l'un de nous a un nez super développé pour essayer de ressentir le parfum? Parce que c'est pas mon cas. Ça va être facile, ça, dans toute la... vu la taille du parc. J'allais dire un comment truc, on s'y prend, mais en ouais. Fait... Mais On a fripouille. Elle a... Le chat... Non, on a saucisse. Bah, les deux, en fait. J'ai pensé aux deux, parce que fripouille, elle avait pas une capacité, justement... Bon. Je sais plus que c'était quoi le délire avec fripouille. Fripouille, c'est un chat sacré de... qui vient de... Il vient de je ne sais plus où. C'est un chat sacré. Ouais, voilà. Il y a, non, il n'y avait pas un nez surdéveloppé ou je sais pas quoi. Hein. Pas que tu saches. Ouais. Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait faire sentir le un des parfums. Oui, bah, c'est ce que je viens d'y repenser. Je peux pas être, ouais. Je peux pas penser à tout. Hein. Je suis fer quand t'as cru quoi. C'est con que tu nous y aies pas fait penser un peu plus tôt. Ouais, bah, c'est con qu'il n'y ait pas pensé. Les gars, je suis pas tout seul dans l'équipe. Hein. Il y en a. Alors. À défaut d'une meilleure idée, je commence à chercher bon, un peu au hasard, et puis plus spécifiquement, est-ce que dans ce jardin, on trouve une cloche factive véritable ou représentée? Plus probablement représentée quelque part. Mais... Je ne sais pas si c'est perception ou nature qui serait mieux. J'ai les deux, non, je sais pas. Bah ouais, les deux sont plutôt bien. Bah écoute, prends celui où tu as plus. Entre perception et nature, et puis... Je dirais que c'est celui-là. Attends, j'ai même pas vérifié toute la fiche. Ouais, ok. Alors effectivement, vous êtes dans le parc, vous cherchez pendant un petit moment, et ouais, toi tu le vois, il y a effectivement cette plante qui est parmi la végétation touffue. C'est supposé être rarissime, on est d'accord. Oui, il n'y en a qu'une seule. Ok. Vu qu'on a trouvé ce dessin-là, je vais commencer à essayer de me rapprocher et voir, je sais pas. Je ne sais pas vraiment ce que je cherche, mais je scanne la zone en me disant qu'il y a peut-être une raison pour que il y a un papier qui représente ce croquis.
Alors attends. Je sais pas si c'est une plante qui recherchait pour simplement ses fleurs, mais on avait une représentation, c'est ça, un croquis qui représentait cette fleur. Mais avec rien de noté, enfin. D'ailleurs, juste la plante. D'ailleurs, quand vous vous approchez, il y a Olympia qui fait oh, incroyable, une fleur, une Wingardium Foraminis. Pardon. Alors appelé plus communément la cloche factive. En raison de ses propriétés. Mmh. Vous connaissez les propriétés de cette plante ? Non, mais vous allez nous dire. Est-ce que je connais les propriétés de la plante ? Vas-y, fais un jet de connaissance de la nature. Enfin, c'est vrai que j'aurais mais pu... Il me semble que la dernière fois, tu savais. Ah oui, tu connais. Hein. Toi, tu connais. Effectivement, cette plante, aux racines puissantes, ne produit qu'une seule fleur, énorme, en forme de cloche. Et elle réagit aux odeurs. Et en fonction de celle qu'elle reçoit, elle peut vibrer, changer de couleur, onduler. Elle est dans son état normal. Ouais. Moi, je regarde tout le monde. Moi, c'est avec ce truc-là, j'ai ça dans la main, je vais la détruire. Non, mais je ne comprends pas forcément la prendre. Je comprends l'intérêt pour un parfumeur maintenant. Bah, je cherche si... J'en sais rien, est-ce qu'on trouve des traces autour peut-être des traces de pas récentes. Là, un jet de perception. Oh, tu vois pas de traces particulières. C'est des grosses racines, est-ce que on... J'allais dire, on voit rien à travers les racines que... Fais un jet de perception. Pour voir si tu vois. Si je vois quelque chose. Ouais. Ouf. T'as l'impression de distinguer quelque chose. T'arriverais pas à savoir. T'as l'impression qu'il y a quelque chose, mais t'arriverais pas à mettre un nom dessus. Je vois un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est ça. Mais il y a un truc. J'essaie de regarder précisément ce qu'elle me montre. Mais là, tu vois pas. Ah bah toi, tu vois rien. Toi, tu vois des racines, quoi. Mais je te dis là. Est-ce qu'il y a de la dispo pour essayer de creuser entre les racines, pour essayer de voir ce que. Pour qu'on essaye de voir ce que t'as vu. Ah, tu peux tenter. T'as. Olympia qui dit non mais on va pas détruire une fleur aussi rare et unique. Bah, juste en fait pas forcément les casser les racines mais les bouger délicatement sans les péter. Non ça va être vraiment compliqué, ils sont entremêlés, c'est plutôt des grosses racines. Vraiment sans les casser c'est quasi impossible. D'accord, bon bah tant pis. Et vous, est-ce que vous voyez quelque chose d'Olympia dans ses racines avec vos lunettes. Alors, tu sais, elle zoome un peu, elle dit ouais, il y a un truc, il y a quelque chose, un trou peut-être. Un quoi? Un trou. Ah, j'ai entendu un tronc. Non, un trou. Mais écoutez, cette fleur a des propriétés par rapport au parfum. On a un parfumeur qui est perdu. Peut-être que, par rapport au parfum qu'il avait chez lui, la fleur réagirait. Oui, c'est une idée, on va y retourner. Alors. Allez, direction chez le parfumeur. Vous y allez, et est-ce que... Fleur. Hein ? J'allais dire qu'il prend la... Enfin, on prend la... Non, on prend pas la fleur, on va prendre les parfums et revenir ici, c'est ça ? Ouais. Ok, j'avais compris l'inverse. Est-ce que vous prenez tout ? Oh bah oui. Ok. Et du coup, ouais, vous revenez devant... Je sais plus, il n'y avait plus une fiole de songe de Spani là-bas chez lui en tant que tel. Non. Il y avait la recette. Mais je la prends. Ok. Je sais pas s'il y a tous les produits pour la faire, mais je la prends. D'ailleurs, je demande... Elisabeth, est-ce que tous les produits indiqués sur ce parchemin que je ne suis absolument pas capable de lire sont présents dans le lot?
Je sais plus ce que t'avais dit la dernière fois, s'il y avait tout ou pas. Je sais plus la recette, je l'ai pas noté. Il y a de l'iris, de la vanille, de la bergamote et une quatrième essence. Du chèvre, moi j'ai noté qu'on a trouvé chez lui comme essence, mais pas de la liste. Il y a le choix entre le chèvrefeuille, le rélinum ou l'apopanax. Je rappelle que le rélinium vous met dans l'état suicide. C'est pas forcément l'idée que j'avais au départ. Oui, non, mais c'est juste, je rappelle ce que c'est. On va peut-être éviter de faire sentir ça à la fleur. Hein. Donc vous êtes devant la fleur, vous avez. Vous avez tous les essences. Que faites-vous? Et qui fait quoi? On va déjà retourner, on va tout récupérer et puis retourner. Oui, oui, c'est bon. Moi, je considère que vous avez tout pris et que vous êtes devant la fleur, là. Ok. Donc, attends, du coup, toi, Elisabeth, t'as réussi à lire 3 ingrédients sur 4 de la recette, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas compris. Oui, c'est ça. Demande. C'est ça. Donc, il y a la vanille, la bergamote, une essence inconnue et j'ai oublié le quatrième. Iris. Iris. Iris, vanille, bergamote. Alors, je vais la noter parce que... recette. Est-ce que... le dame Olympia, vous auriez une idée de ce qui est écrit en quatrième? Je suis désolé. Compétence en lecture et écriture ne sont pas tout à fait ce qu'elle devrait être en public d'une telle île, bien entendu. Mais... elle arrive. Elle dit... je crois que c'est écrit chèvrefeuille, mais il écrit vraiment très mal. Bon, ça fait partie des 3 seuls autres qu'on a, donc pourquoi pas, hein, en plus. Attends, je viens de noter un truc, là. La chèvrefeuille, c'est la seule qui était ouverte et déjà prélevée. Oui. Oui, il me semble. Bon, on va en prélever encore un petit peu, voir si déjà ça réagit aux chèvrefeuilles. Oui, c'est ça, c'est bien, il y avait la fiole de chèvrefeuille qui était ouverte de quantité plus faible que les autres que j'ai écrit. Ok. Enfin, proposition, hein, on peut essayer de démarrer comme ça. On peut commencer avec le chèvrefeuille, ouais. Donc, tu fais sentir le chèvrefeuille à la fleur. C'est quelque chose un peu étrange pour toi. Puis d'un coup, pendant une minute, les racines dégagent avec puissance, avec puissance, le passage qu'elles obstruaient. Yeah. Ouais, bravo. Donc je passe tout ça. Du coup, vous voyez un escalier en pierre. Magnifique. Okay. D'accord. Un pierre qui prend une torche. Bah, on va la suivre. Je vais en prendre une deuxième. Ok. Vous laissez Olympia devant? Oui. Ok. Moi, oui, parce que c'est elle qui est partie déjà devant. Donc, ah, elle a juste pris une torche. Elle n'était pas encore partie. Hein. Ah, d'accord, j'ai cru qu'elle était. Elle n'est pas partie devant, moi j'y vais. Ouais. J'ai ouvert le passage, je descends. Ok. Donc, vous descendez un escalier de pierre très ancien, remontant en fondation d'Alta Bianca. Olympia, qui tient donc une torche derrière vous, murmure : nul ne sait ce qui habitait autrefois sur cette île. Avant que les ancêtres du prince s'y installent, certaines légendes racontent qu'ils n'étaient que de pauvres marins et qu'ils y ont trouvé un trésor immense. Et après de longues minutes de marche en direction du Septentrion, vous arrivez bien en dessous des failles qui séparent les quartiers des uns des autres. Le soleil vous parvient par de trop rares puits de lumière et tout en bas, vous devinez des vagues. Des planches ont été aménagées pour remblayer ce qui s'apparente à un réseau de tunnels souterrains. Sauf qu'ici, vous n'avez qu'un seul tunnel à suivre et le cheminement est grandement simplifié. Vous arrivez devant un obstacle, une faille de 2,30 m de large qui vous sépare du reste du tunnel et de la planche qui devait vous servir de pont se retrouve de l'autre côté. Une feuille ou une faille? J'ai pas compris. Une faille. Il n'y a rien, j'imagine, pour refaire une... non, la planche est de l'autre côté.
tu vois. Bon, les gars, feuille. 2m30. Une feuille. Ouais. Ça se tente. Vas-y, moi, je suis blessé. Je m'attache, vous me retenez tous, je vous donne la corde là, au cas où ça se passe mal. Au cas où. Tu veux qu'on lâche la corde, c'est ça que t'as dit? Non, c'est prière d'éviter. Je prends quelques mètres de mou, du coup, forcément, mais oui. Et puis on va tenter de sauter. Vas-y. Parce que c'est la quelqu'un est plus motivé que moi pour y aller parce que. Ça sera un jet de courir sauter. Bah écoute, vas-y, hein, t'as l'air motivé là. Oh, moi, je suis juste motivé par la partie sécurité du truc, hein, tu as la corde, mais... Bah, écoute, moi, je suis pas très agile, hein, donc... Ouais. Mais on te sent motivé, non, on te sent courageux sur ça. Je suis plus discret qu'agile, en fait. Attends, je vais regarder tout de même mes specs, mais je suis plus sûr que c'est pas moi. Je me casse la gueule, heureusement que vous avez une prendre une corde. Ouais. Attends. Agile. Parce qu'en fait, tu tombes quand même au niveau... Non, allez, tu tombes contre la paroi. C'est normalement, tu devais tomber dans la mer en dessous. Donc tu vas perdre un point de vie. Super. T'aurais pu en perdre jusqu'à 6. C'est lui, je te jure. Est-ce que tu retentes? Bah oui, on est plus à ça près. Allez. Attends, mais est-ce qu'il peut pas se balancer d'une paroi à une autre vu qu'il est attaché? Ouais, c'est 2m30, hein. Ah, oui. C'est une question. Est-ce que en hauteur, on verrait pas quelque chose qui pourrait servir d'anneau ou quelque chose comme ça sur le plafond, vers le plafond? Ou est-ce que c'est vraiment trop haut et on voit rien? Putain, non, c'est... 2m30, c'est rien, normalement, en plus. Allez, vas-y. Y a pas quelqu'un qui... Allez. Voilà. Cette fois-ci, tu y arrives, tu es de l'autre côté. Tu peux remettre la planche pour faire le pont. Allez, je remets la planche. Et du coup, vous passez tous de l'autre côté. Pas tous en même temps sur la planche. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, bah non. Vous c'est parti. Continuez dans le couloir tout droit. Mais soudain, vous voyez sur votre gauche un accès à une pièce éclairée. Et quand vous entrez à l'intérieur et que vous regardez, vous voyez la fin de cet épisode. La chute, elle est excellente. Elle est excellente. Dans une pièce éclairée. Tu travaillerais pas chez des sociétés de plateformes de stream de vidéos pour faire les fins des épisodes? Non, je vous avoue que je me suis inspiré de l'excellent JDR Sombre Machination sur YouTube. N'hésitez pas à regarder, c'est des JDR un peu horreur. Et généralement, il finit les épisodes comme ça, et je me suis dit, allez, on la case, c'est ça parfait. Ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. Du coup, bisous YouTube. À la prochaine, bisous. Si un jour je fais cette vidéo. Ciao. Ah, carrément, t'es comme ça, là. Ouais.